Bonjour, je suis Cédric Lubat, directeur recherche et développement de l'entreprise CITF. CITF est une entreprise qui se trouve du côté d'Angoulême et nous sommes spécialisés dans la fabrication de machines spéciales pour l'industrie. Je dirige le département R&D et dans nos activités de recherche et développement, nous travaillons sur des projets collaboratifs. Et de par notre implantation au milieu du vignoble et très proche du cognac, nous avons un partenaire, donc l'entreprise Jean Gerbet, qui est venue vers nous. Fort d'une idée, en nous demandant de collaborer sur lui sur une innovation qui concerne donc le désherbage sans produits phytosanitaires et sans produits chimiques, donc, mais en utilisant un désherbage à base de vapeur d'eau. Donc, cette innovation consiste à développer un système de désherbage à vapeur d'eau, mais un système de désherbage à très haut rendement, de façon à minimiser la quantité d'eau consommée donc, lors du désherbage. Pour ces activités de recherche, nous avons été soutenus et pour cela, il a fallu déposer un dossier de candidature auprès de la région, donc sur un appel à projet. Et donc la région nous accompagne sur un programme de recherche, de développement et d'innovation, donc à hauteur de 164 000 euros de cofinancement, puisque c'est à peu près 45% de cofinancement. Le reste, c'est CITF donc, qui le finance. Et tout ça nous permet de travailler sur un projet qui va s'étaler sur 2 années et sur lequel il y aura à peu près 5 à 8 personnes qui vont travailler à temps plein pour développer, mettre au point, breveter et commercialiser par la suite cette solution technologique.